Eh bien le bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie d'être de bonne humeur. Et quand j'ai envie d'être de bonne humeur et de transmettre cette bonne humeur, il n'y a qu'un seul personnage pour arriver à faire ça, c'est Picou! On a une aventure à finir avec lui, ça fait plus d'un mois que je suis sur ce jeu, c'est abusé. C'est parti, let's go! Objectif principal, parler aux rebelles. Ok, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Parler aux rebelles, c'est ça, rebelle? Hé, hey, te revoilà. Ah oui, c'est vrai, on devait revoir ces fils de... Parce qu'ils n'ont pas voulu m'aider, bien sûr. Les vers sont des créatures fascinantes, des créatures entortillées et fascinantes. Regarde ça. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Peut-être qu'on pourrait vaincre le robot avec l'aide des vers. Battez le robot du lac. Ça a l'air de faire mal, mais je me sens tout léger. Oh mon dieu, faut que vraiment que j'arrive à poser mon cerveau quand je joue à ce jeu. Mais comment on fait pour remonter les gars? Madame, je peux monter sur vous? Oh, pardon, je vais frapper votre fils. Ah, ici? Bonjour. J'aime bien les ordinateurs. On peut même dire que j'adore les ordinateurs. D'ailleurs, j'ai même commencé à développer un jeu vidéo. Mais ça prend tellement de temps. Tiens, tu peux essayer d'y jouer s'il te plaît? C'est un peu basique, mais tu pourras jouer si tu trouves une console. T'es sérieux là? Mais aille dans ta time. Tu peux utiliser le wagonnet, il t'emmènera du... Ah bah merci. Ok, bon bah les gars, on se retrouve là-bas. Hasta luego. Picou est totalement ridicule. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez trouvé un trophée. Ernie le vert. Tu sors la joie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens, je vais aller me suicider. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Putain, j'ai vu vraiment des choses étranges, moi, ici. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Pardon, j'ai toujours envie de vous taper. Hé, hey, tu es prêt à affronter le robot? Ouais, à fond. Allez, faut être motivé dans la vie. Ok, c'est parti. Quelle est la stratégie? Le robot est furieux, évitez ses tirs. Ah, et aussi, évite de tomber. Ouais, évite, hein. Oh putain, je sens que je vais pas y arriver. Ah wow. C'est tout? Ah! Je me suis pris la geyser dans la gueule. J'ai pas vu venir le truc. Ok, faut que j'anticipe. Allez, Picou, on est parti. Je suis tombée. Schéma. Ah, ça me motive quand je fais des petits cris comme ça. Mais il est parti où? Le robot n'a plus d'eau, il doit se recharger. Attention, on bouge. Allez les gars, on y va. Et qu'est-ce que je dois faire? Je frappe? Je peux rentrer dedans? Non, laisse-le tranquille. Vas-y, rentre dedans. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Ah ouais, d'accord. Wouh. Vas-y, viens là. Wouh. Je vais y arriver. Allez Picou, pense à Rambo. Tu te souviens? Pense à Rambo. Ok, on y va les gars, go go go. Hop, voilà, c'est bon. Nickel. On va le défoncer de l'intérieur là. Oh putain, je vais y avoir un short. J'étais pas prêt. Non mais attends, je suis trop au stress. Je peux pas perdre. On arrête les conneries maintenant. Tu mourras pas. C'est bon, go go go. Allez allez. Je vais lui défoncer sa mère. Tu sais même pas tout ce que j'ai traversé avant d'arriver ici. Il n'a peur de rien. Putain Flavie, concentre-toi. Ah non, tu meurs pas. Mais arrête avec ces putains de geysers là. Allez, dis-moi que c'est fini là. Allez, casse-toi. T'as plus d'eau. Allez, défonce-le. Oh oui, oh oui. Ouh. Oh my god, j'ai chauffé le patron. Ok, ça fait un moment que j'étais à l'œil. Cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu as détruit tous mes robots. Attrapez-le. Non. Je vais me faire disséquer, c'est bon putain. Et j'ai personne pour m'aider, ok. Merci les potes. Merci. Tu vois celui-là? Oups, tu as été capturé. Non, sans déconner. Ne songe même pas à t'échapper. Je suis dans la pièce d'à côté et je te surveille. Désolé, on n'avait pas prévu ça. J'ai creusé jusqu'ici, je pense que personne ne m'a vu. Mais cet endroit est plein de robots, hein. Il faut que je te sorte d'ici, hein. J'ai une idée. Trouve un moyen de distraire le robot, je me charge du reste. Je peux lui faire une danse? Get out on it. Non, ok, d'accord. Comment veux-tu que je le distraie? Attends, je vais défoncer cette caméra. Ah, voilà. Quoi? J'ai rien fait. C'est pas moi. Je te laisse seul 2 minutes et tu trouves quand même le moyen de détruire. Est-ce que tu sais le temps que ça prend de remplacer ça? Il y a des tonnes de papiers à remplir et j'ai besoin de l'autorisation des managers. Ça va prendre des siècles. Merci bien d'avoir gâché ma journée. Je m'en bats les couilles. Ne touche plus à rien. J'ai la clé. Nickel. On passe par là. Je vais même pas parler, tu sais, je m'en bats les couilles. Je me casse. Échappe-toi du volcan. Oh, attends. Oui, c'est vrai que je t'ai pas trop parlé. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La pièce à côté est plein de robots. Sois discret. S'il te voit, tu vas te faire prendre. Il doit y avoir moyen de traverser cette pièce sans que personne ne le voit. Mais ouais, regarde. T'inquiète, regarde. Hop, là. On appuie sur 2-3 boutons. Regarde, tic 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 tic. Voilà, c'est bon, regarde. Nickel, regarde. Et maintenant, c'est devenu mission impossible le truc. Et j'ai toujours ce truc de merde sur la tête, peut-être que je l'enlève. Voilà, c'est mieux. Je t'ai pas déjà demandé de réparer cette porte la semaine dernière? Non. Je me rappelle par mes potes avoir demandé de la réparer. L'imperfection et beauté. C'est une porte. On est d'accord sur ce point, hein. Mais quand même, hein, ce serait bien que tu répares cette porte un de ces jours. Go. Hop. Wouh. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait un plan pour construire une ville géante. Il faut vraiment qu'on te sorte d'ici, hein. Comment je vais faire? Ah si, regarde, c'est bon. Hop, on clique là-dessus, on passe là-dessus, on va là-dessus, on va là-dessus. Je connais le chemin, vous inquiétez pas.
Non, je connais pas le schéma. Ok, alors du coup, on va éviter de faire la même connerie. Qu'est-ce que je dois faire ici, moi, du coup? C'est bien gentil, mais ça m'aide pas beaucoup, votre truc. Ah, si, j'ai une idée. Hi-ha! Ouais, c'est bon, j'ai réussi. On va y arriver. Hi, dépêchons-nous. Monsieur Sunshine! Alors, c'est terminé. Ça va ressembler à ça. Tireuil de coke. Oui, tous les bâtiments que vous avez demandé, ils sont. Où est ma maison? Vous avez pensé à ma maison? Oui, elle est juste ici au milieu. Ah oui, je la vois. Elle sera prête pour la grande éruption? Oui, nous avons déjà commencé la production. Bien, très bien. Je devrais aller vérifier ça. Donc c'est un putain de gros lobby qui veut défoncer la planète pour faire des villes et des villes, les amis. Bon bah puis maintenant en fait. J'adore parce que je veux vraiment des choses sans faire exprès, hein. La grande éruption? Mais de quoi il parle? Quelque chose ne t'en parle. Bah si, il y a un putain de volcan, il va le faire défoncer pour que ça bitume tout, tu vois. Voilà, je suis une experte dans ce domaine là. Où est-ce que je suis? Intrusion, intrusion détectée, alerte intrusion, activation des lasers. Non, attends, je suis encore là. Oups. C'est pas grave, je vais passer par les conduits. Je suis diabolique. Si Tom Cruise a besoin d'un assistant pour les missions impossibles, il sait qui appeler maintenant, je pense. Qu'est-ce donc que ceci? Ce sont pas les grosses couilles? Putain, il fait de la dissection de couilles. Mais ouais, regardez, c'est ce que je disais pour les disséquer. Désolé. Ça fait des semaines, vous travaillez là-dessus, et ce n'est toujours pas prêt. Désolé. On parle d'un monde nouveau, là. Un monde parfait. Désolé. Seront-ils prêts pour la grande éruption? Désolé. Ah, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Tous les citoyens de Sunshine Town doivent être parfaits, tu comprends? D'accord. Bien, assure-toi que tout soit prêt pour le mois prochain, ok? D'accord. Waouh. C'est une putain de dictature, en fait. Hé, on est là, nous! Une seconde, tu les connais? Qu'est-ce qu'ils font ici? Il faut qu'on trouve un moyen de les sauver, hein, d'aider les villageois. J'ai que ça à faire. On va trouver un bouton. Regarde, il y a un bouton, là. Voilà. C'est bon, vous êtes libre. Ça fera 10 dollars. Ah, c'était mec qui avait gagné à Sunshine, machin. Ils nous mettent dans des cages pendant des jours et des jours. Ils nous prennent en photo, ils nous filment, prennent nos mesures. Pourquoi faire? Ils font des expériences. Ils les appellent les Sunshiners. Oh, quelle horreur! Oh, c'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, ils sont inoffensifs. Ils ne sont pas très malins, hein. C'est pas Sunshiner? On dirait surtout un robot en train d'essayer de vous imiter. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Monsieur Sunshine veut qu'il soit parfait et ne pense pas qu'il s'améliore. Ce ne sont que des robots après tout. Hein. Ils font ce que Monsieur Sunshine leur dit. La grande éruption Sunshine Town. Hein? Je sais la vérité. C'est tellement beau ça quand je réfléchis. J'ai trouvé. Je crois que j'ai compris. Oh bravo, tu es médaille. Monsieur Sunshine veut construire une ville géante où il pourra vivre avec tous les Sunshiners, lui obéissant au doigt et à l'œil. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Où est-ce qu'il va la construire? Il va déclencher l'éruption du volcan et anéantir tous les villages de l'île pour ériger sa ville. Arrêtez de parler là, ça m'énerve. Je retire très mauvaise idée. Il faut qu'on l'en empêche. Hein. Ok bah du coup on doit stopper Monsieur Sunshine. Ok, personne m'accompagne. En fait le on c'est jeu. On est d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ce mini bébé moche là? Oh il est super loin. Ok. Bah j'espère. Là ils sont en train de faire la ville. Ok. Oh salut! On a réussi à entrer. On est venu vous sauver. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Monsieur Sunshine va détruire tous les villages de l'île avec ce volcan. Hein? Ouais, c'est sérieux. Intrusion multiple, restez où vous êtes! Viens là! Vite, on se casse! On s'occupe des robots! Ça va aller, mais tu dois stopper Monsieur Sunshine. Ok, d'accord, bah j'y vais. Je vais arriver directement dans son bureau comme dans les films. Ah non, c'est pas son bureau. Ça a l'air d'être une fournaise ici. Monsieur Sunshine! Je sais la vérité! Mécréant! Espèce de con! Quoi? J'ai le droit de faire mes rails de coke! Est-ce trop te demander de me laisser détruire cette île en paix? Tu sais, parfois quand tu veux construire quelque chose, il faut faire table rase du passé. Elle sera plus grande, plus belle! Bientôt cette île sera un terrain vague, une toile blanche ou créer ma ville idéale. Vous êtes complètement fous! Comment allez-vous faire? Eh bien, je vais réveiller ce volcan et inonder cette île de lave. Une fois que je serai content du résultat, mes robots éteindront le feu avec toute l'eau que j'ai aspirée du lac. Ensuite, ils construiront les immeubles que j'ai imaginés. Et cerise sur le gâteau, ils feront pousser du maïs! J'adore le maïs! Et voilà, une ville parfaite et tout le monde vivra dans le bonheur et l'harmonie. Moi et mes Sunshiners. Fini les accidents, les bagarres, la haine, parce que je peux tous les contrôler. Des gens parfaits dans une ville parfaite. Et tu n'es pas invité! Occupez-vous de lui, les gars! Là, comment je dois faire? Aidez-moi! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, d'accord. C'est pas cool, ça. Mais comment je dois faire? Comment je dois faire? Wow! Franchement, c'est pas cool. Aidez-moi! Oui, Ernie à la rescousse! Ah! Ernie! Je viens de te sauver! Et y'a plus personne à sauver! Débarrassez-vous d'eux! Vous voulez dire on les a? Hein? Oui? Vous jouez pas pour ne rien faire! Une seconde, tu es payé? Bah ouais, c'est pas mis au volant, mais ça couvre le loyer, les factures, hein. Moi non. Je ne suis pas payé pour faire ce travail, hein. Eh, pourquoi je suis pas payé? On peut en parler plus tard? Je veux dire, ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles et je ne toucherai du tout. Ouais, je trouve pas ça normal non plus, hein. C'est pas comme si vous étiez pauvre et tout ça, hein. Oh, ça va, hein. Tu n'as qu'à appuyer sur un bouton et zapper les gens, hein. C'est pas la mer à boire. Pense un peu à la visibilité et à l'expérience sur ton CV, hein. En plus,
plus, tu feras partie des citoyens de première classe quand ma ville sera terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? 15% de réduction sur ta carte de métro. Waouh! Ok. Je ne ferai rien tant qu'on ne me payera pas. Sérieusement? Oh, très bien, je m'en fiche. Je n'ai plus besoin de vous. Je peux parfaitement réveiller ce volcan moi-même. Oh non, il va raser toute l'île. Il faut qu'on tu l'arrêtes ou saute sur moi. Non, mais c'était quoi cette scène totalement absurde des employés qui se rebellent? J'arrive. Mais arrête de me suivre! Non, je suis un stalker. Revenez ici! C'était trop nul. Cette course poursuite est d'un total ridicule. Je fais du pédalo et je me prends des popcorn dans la gueule. Waouh! Waouh! Mais il s'est cru dans Mario ou quoi le truc? C'est chaud. J'ai trop. C'est trop dur. Je suis hyper concentrée. Je déteste cette course poursuite. La plus ridicule du monde. Un mec qui m'agresse au popcorn quoi. Mais arrête putain! Police municipale! Arrêtez tout de suite! Oh, j'ai failli m'en prendre un. Bougez pas! Police! Assez! C'est l'heure de la lave. Non mais Picou, t'aurais pu faire quelque chose quand même, t'avais le temps. Oh putain, me dis pas qu'on a foiré la mission. Ok, mes calculs sur la puissance du volcan sont peut-être légèrement erronés. Mais mec, on va où là? Tu arrives trop tard de toute façon. Bientôt, la lave va recouvrir toute l'île et de ses cendres naîtra un nouveau monde. Un monde parfait. Oh, je peux me battre avec lui? Mais c'était totalement ridicule. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je suppose que personne ne veut de ma vie parfaite. Mais peut-être que... une planète parfaite? La planète Sunshine. Attendez un peu que j'atterrisse, vous allez voir. Il est complètement pété celui-là, regarde-moi. De toute façon, en même temps, il prenait de la coke, donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh super, tu es revenu. Eh frère, j'ai eu le bad trip le plus total du monde. Plus jamais je ressors ma grotte. C'était le petit fantôme du début en fait. Je suis content que tu aies survécu, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu hein. Je suis sûre que tu as plein de questions. Qui es-tu? Déjà, qui es-tu, ouais. Oh, je vois effectivement que tu as des questions. Quel est le but de tout ça? Ok, je comprends évidemment, tu as plein de questions. Mais ça n'était qu'une façon de parler hein, je n'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Ok stop, j'en sais rien. Ce n'est pas parce que je suis un être omniscient que j'ai réponse à tout. Les jeunes de nos jours, vous voulez tout. Et tout de suite. Bref, j'espère au moins que tu t'es bien amusé. Quoi d'autre? Ah, j'ai oublié ton score. Ok, laisse-moi faire les calculs. Ah, parce qu'il y avait un score. Ah non, mais sombre, j'ai zéro, là. J'ai un 6. Ton score total est d'un 6. Mais sur combien? Honnêtement, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais, hein. Ce n'est pas grave, de toute façon. Tu as rencontré des gens, tu as vu du pays, tu as sauvé le monde. Je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, je voulais simplement prendre de tes nouvelles. Je ne veux pas trop t'embêter. Peut-être qu'on se reverra. C'était sympa de te voir. Passe une bonne journée. Et qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'était Dieu? Ah, c'était plus facile que je pensais! Ah non, mais moi aussi je pensais qu'on allait se battre et tout. Oh super, tu es là! On a réussi à stopper l'éruption en appuyant sur ce gros bouton rouge. Sincèrement, mettre le bouton tout arrêté juste à côté du bouton tout détruire, c'est très mal pensé, hein. On est content que tu sois sain et sauf. Oui, monsieur Sunshine. Je l'ai envoyé dans l'espace. Très bien, on devrait être tranquille pendant un bon moment. Merci pour tout ce que tu as fait. C'était chouette d'avoir pu compter sur toi. On devrait sortir de ce volcan et prévenir à tout le monde. Je peux venir avec vous? Non, apparemment. Bon, ok. Tu viens? Ah bah voilà, merci. Oh, c'est fini comme ça, c'est fini comme ça! Ah, ça fait bizarre. Ça y est, on a fini à Picouniku après plus d'un mois sur ce jeu, les amis. Un jeu fort sympathique. Le jeu était vraiment sympa. Aussi bien du gameplay que de l'humour. Bah tiens, on a Monsieur Sunshine. Salut, ça va? Non, l'humour était excellent dans ce jeu. Il était bien, vraiment bien dosé. J'ai adoré. Voilà. Ah, les amis, on dit au revoir à notre ami Picouniku. Ça va me faire un petit peu mal au cœur. Notre ami Picouniku va nous manquer. On a vécu une belle aventure avec lui. Et son faciès très expressif, hein, on peut le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, les amis, si vous avez apprécié cette petite série avec moi. Et merci pour votre fidélité aussi sur cette série. J'espère qu'on en retrouvera une autre d'ici peu. En attendant les amis, la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.